Alors je réponds à qui, à toi? Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Alors on y va. C'est un film tellement raté qu'il en devient drôle, voire super drôle, voire complètement hilarant. Personne ne peut survivre à ces rayons mortels. En gros, plus la distance entre ce qu'on imagine que voulait faire le réalisateur et ce qu'on voit à l'écran est grande, plus on peut se dire qu'on est face à un beau nanar. Dans la chaîne de fabrication, producteur, réalisateur, acteur, faut que quelqu'un y croit, quoi. Mon chouchou, c'est Samurai Cop. Il y a tout qui est consciencieusement raté. Tout le monde y croit à fond. Dommage que tu sois ma sœur. Philippe, viens ici que je te bute enculé. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Pour moi, il n'y a pas de maître du nanar, en fait. Voilà, il y a des archétypes, il y a des gens qui ont essayé de faire des choses, il y a des gens qui ont fait des chefs-d'œuvre du nanar sur un film, je pense à Karaté versus Mafia, par exemple. Le réalisateur s'est dit qu'il allait recréer Hong Kong aux Canaries, sans aucun moyen, dans les années 80. C'est pas un maître du nanar, c'est un accident fabuleux, et c'est ça qu'on aime bien aussi dans ce cinéma, quoi. Oh, c'est affreux. C'est affreux. Non. Non. C'est un peu ce qui fait le sel de ces films, c'est-à-dire que finalement il y a le film, et puis après il y a ce qu'on apprend sur le film, le coup d'un moment mettre une pieuvre motorisée pour que le gars se fasse bouffer par une pieuvre et oublier le moteur, bah du coup forcément ça marche pas. Je parlais tout à l'heure de Samurai Cop, qui est un de mes nanars de cœur, où en fait l'acteur donc nous a raconté dans l'épisode de Nanaroscope, que il pensait que le film était fini. Donc pour son bouc, il allait chez le coiffeur, il s'est fait couper les cheveux assez ras. Sauf que en fait, en sortant chez le coiffeur, le réel l'a appelé, lui a dit « Hey, il y a plein de trucs à tourner encore, donc le film n'était pas fini du tout. » Donc ils ont pris la première perruque qu'ils trouvaient, qui ressemblait à peu près à sa coupe de cheveux, ils l'ont mis sur la tête, et ils ont fini le film comme ça. C'est assez dingue. Ça touche souvent à la cinéphilie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des gens qui sont amoureux du cinéma, et en fait, cet amour étant un peu débordant, ben on aime les bons côtés du cinéma, on aime les chefs-d'œuvre, et puis ben forcément, on aime aussi les aspérités de ce cinéma-là, quoi. Ah, c'est phénoménal! Une fantasmagorie! Le nanar, en fait, il nourrit la cinéphilie, parce que, en fait, voir un mauvais film, ça aide aussi à comprendre à quel point un bon film est bon. Alors aimer les nanars, c'est pas du tout maso, mais en fait si, c'est maso quand même, c'est un peu la beauté du truc en fait. Le nanar, c'est un paradoxe en fait, les Américains ils disent « so bad, it's good ». Le nanar idéal pour moi, c'est le nanar où je vais me poser devant, je vais me dire « ah tiens, peut-être que c'est un nanar », et en fait, boum, méga force qu'on se dit « tiens, c'est un nanar friqué ». Et d'un coup, le héros, il prend sa moto, il roule dans le désert, jusqu'ici tout va bien, et il appuie sur un bouton, et là, d'un coup, il s'envole. Et là, on se dit, c'est aussi ça la magie du nanar, quoi.